Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 avril 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un court passage tiré de l'œuvre de Gilbert Langevin. Gilbert Langevin, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 27 avril. Qui croit encore posséder un secret? Les petits-enfants aiment les poètes. Adultes, ils les fuient. Les petits-enfants comprennent tout. Ce sont des génies à l'état pur. En quelques mois, ils apprennent à marcher, parler, lire, écrire, nager, faire de la bicyclette, mentir, danser, chanter, se cacher, capturer des insectes, tomber amoureux, tromper, trahir, courir et jouer encore. Ce sont des enfants souverains, quoi. J'ai bien connu la famille de Gilbert Langevin, la mère qui vivait à côté du parc La Fontaine et qui nous gardait de temps à autre, ma sœur et moi. Le père, fabuleux menuisier, mais qui traînait un mal de vivre terrible. Puis Roger, le frère de Gilbert surtout, artiste important, qui a toujours travaillé pour que son travail soit en phase avec les aspirations de son peuple, un artiste engagé. Monique, son épouse, également artiste, subtile et vibrante. Je soupçonne même Monique d'avoir mis la vie au-dessus de l'art, d'avoir fait de sa vie une œuvre d'art. Même les meilleurs artistes parviennent rarement à ces résultats, et aussi tous les enfants de Monique et Roger. Sur Gilbert Langevin, avec qui je me baladais lorsque j'étais enfant, garçon esseulé par l'abandon de son père, je ne raconterai ici qu'une seule anecdote. Langevin a édité quelques-uns des livres de mon père. N'attendez pas de moi qu'un jour j'en fasse une lecture ici. Mon père m'a trahi 3 fois, enfant, adolescent et adulte. On pourra s'en étonner que j'en fasse ici l'aveu, l'aveu sur YouTube. Tous ces engins technologiques libèrent la parole. Il n'y a pas d'enjeu plus important que cette libération de la parole. Ce qui est en train de se mettre en place ici, c'est le rêve de l'autre amont, la poésie collective, la poésie faite par tous, pour tous. Langevin savait qu'une parole libérée menaçait toutes les formes de pouvoir. Le droit de parler, soit, le droit de se taire également. Mais pour que le silence ait un sens, il faut que la parole soit première, souveraine, qu'elle permette, qu'elle offre, qu'elle guerroie même, pour que le silence puisse dire quelque chose. J'ai dit ailleurs que je ne savais pas lire. Certains auront été à même d'en juger par certaines critiques assassines. J'ai dit que lire avec les yeux était la première défaite de l'enfant souverain, de l'enfant qu'on faisait taire, enfin, de l'enfant qui s'empare du royaume de la parole, qu'un trésor gardé, caché, ne valait rien. La poésie lue avec les yeux ne vaut pas grand-chose. Lire avec les yeux, c'est au fond se taire. L'enfant ou l'adulte qui sait s'entourer d'une muraille de mots sonores, de mots lus à haute voix, que ce soit les siens ou ceux des autres, de ces autres qui ne sont plus tout à fait les autres lorsqu'on les fait rouler dans notre bouche et qu'on les fait éclater au grand jour. Cet adulte qui se ferait une armure de poésie ne serait plus tout à fait poreux à ces mots dévastateurs, destructeurs, pulsés par les marchands et autres vendeurs, commentateurs politiques, humoristes, etc. Faites la liste de tous ceux qui vous empêchent de laisser passer la parole vraie et vous en serez effarés. Mes vidéos quotidiennes ont libéré quelque chose en moi. Ma propre parole, sans doute. Cette voix que j'ai, c'est tout ce que j'ai et je vous la donne. Revenons sur cette anecdote sur Gilbert Langevin. Au printemps 1990, je l'ai vu
grimpant laborieusement les marches du quai des Brumes. La ressemblance physique avec Artaud était stupéfiante. Je lui ai offert de le prendre par le bras. Il a d'abord refusé. « Je suis Bruno Lalonde, le fils de Bob Lalonde. » Incrédulité et émotion. Là, il a consenti avec joie que je l'aide. Nous nous sommes attablés et avons bu quelques bières. Nous nous rappelions de tout. Son père, le mien, sa mère, la mienne. Il me dit, « Tu as hérité du physique de ton père, mais de l'intelligence et de la chaleur de ta mère. Pour ma part, je pense que les enfants héritent toujours de l'intelligence de leur mère, ce qui est source d'infinis malentendus peut-être. » Il me raconte qu'au milieu des années 60, mon père et lui ont volé des costumes de curé et s'en sont allés s'enivrer et faire du scandale dans la belle ville de Québec. Il me disait que mon père aimait la bagarre. Souvenons-nous que c'était l'époque où un artiste, un poète de surcroît, était vu comme un être efféminé et qu'il lui fallait sans cesse prouver sa virilité. Et au fur et à mesure que Gilbert buvait, il devenait agressif avec les gens autour de lui, et là, il me prenait à témoin. Lui, parenthèse, le fils de Bob, il va vous casser la gueule. Pour un peu, j'allais lui proposer qu'on aille voler un costume de curé pour l'apaiser. Autopsie, HND, 1989. Je suppose que HND veut dire Hôpital Notre-Dame. Au docteur Pierre Saint-Denis. Pour le reclus volontaire, toute damnation devient tremplin. Sa retraite, incontournable condition entre plainte et mutisme, apparaît bientôt fructueuse. C'est alors que l'angoisse lui tend de nouveaux pièges. Il est très difficile de se prendre pour un autre, beaucoup plus que la plupart des gens le croient, handicapé de ne pouvoir s'identifier à ce fantôme qui se profile au centre de soi. Chaque pas provoque l'effroi de se voir à découvert. Comment faire confiance au repère fondamental de l'omniprésente parano qui couve dans la conscience? Au lieu de réclusion, au giron même où le mal est traqué, j'avais comme l'impression d'être bien, de n'être rien. Mais revenait par brusquerie, sous forme d'arbres sombres ou sirènes en poils prisonneuses, l'inviolable coexistence avec une blessure séductrice qui se produit comme une catastrophe dans les racines. Je parle ici de cette carence endémique empêchant d'affronter sainement le réel. Et le temps se précipite et tout le champ de la conscience se transforme en drame existentiel. L'autre, c'est soi-même, et ce que l'on redoute en altérité, c'est le vieil archétype du saut du singe à l'homme ou vice-versa. Il va sans dire que l'ange est loin. Où le corps enfin serait dompté, déperdition dans le repliement, fut-il en forme sournoise de lotus, et toute la phase anale qui remonte à travers une soif de pureté sans précédent, mais nulle paix, nulle retrouvance. Je suis un zombie génétique, alors sans aucune filiation contemporaine. Honte et blâme, je rejoins la fournaise originelle, où mes membres et mon esprit subiront un traumatisme indescriptible et séculaire. Le pire des pires ne fera pas mieux. Jadis, ouvert au trucage social, pouvant jouer le jeu du masque à masque, me voici perdu, éventré, sans repos. Je croule, effroyable. Et cela ne m'arrivera pas qu'une seule fois dans ma vie, ce qui engendre donc épisodiquement la mise à part, l'internement, le rejet, non seulement par l'ambiant,
mais par soi-même en définitive. En définitive, je devrais dire à la base de toute volonté d'agir, ni pour, ni contre charnellement battu par mes propres os. Cela suivi d'une anorexie, d'une attirance folle vers la mort, ne plus être. Antonin Artaud criait « ne jamais avoir été ». Et ce théâtre se situe loin des planches, et ce drame se situe loin de l'encre. Jamais, non jamais, je ne souhaiterais à quiconque une pareille descente aux entrailles du calvaire, une telle viscéralité écréanche l'être à son point de non-retour. Presque impensable de s'y faire une armature, insupportable sous toute lassitude. Donc, en réclusion, on permet cette horrible dérive, téléguidée par diverses médications. Après un certain nombre de creux, de bonds, de chutes, où est l'extase des adolescences, de cabriole infernale vient enfin le moment où l'on vous déclare guéri. Mais tout est sursis dans cette libération médicalement fleurie. Et l'on sort et l'on retrouve ses amis. L'ennemi est à l'intérieur pour l'instant, presque endormi. Il veille d'un œil de braise. Il savoure sa prochaine victime, la même, celle qui se meurt de vivre la peur sans fin de retomber sous la griffe de la régression vers l'initiale brisure. Merci d'être avec moi. Bonne journée.